Depuis 2006, Nagui anime avec enthousiasme « Tout le monde veut prendre sa place ». Chaque midi sur France 2, le présentateur de 56 ans enchaîne les anecdotes surprenantes et hilarantes aux côtés de ses candidats. Le 6 juin 2018, il n'a d'ailleurs pas dérogé à la règle, et a révélé avoir été victime d'un accident qu'il n'est pas prêt d'oublier. À lire aussi La vie est précieuse, La vie est précieuse Gérard Butler rescapé d'un douloureux accident de moto, La vie est précieuse Prince Jackson, le fils du roi de la pop victime d'un accident de moto Michelle Obama, explique son moment de solitude avec Melania Trump. C'est en présentant Jean-Yves que Nagui s'est lancé en définissant son accident comme un vrai grand moment de solitude. Alors qu'il profitait d'une journée à Saint-Tropez en plein été, l'animateur de Tout le monde veut prendre sa place a été rapidement assailli par des fans. C'est en voulant s'échapper de toute cette foule après avoir signé des autographes qu'il a totalement perdu le contrôle de sa moto. Il y a la possibilité de bloquer le guidon avec un cadenas. Je démarre, je m'en vais mais je n'enlève pas le cadenas. Tant que j'allais droit, ça allait. Au premier virage, le guidon est totalement bloqué et là je me mange, je me rétamais comme une crêpe. Fort heureusement, plus de peur que de mal. Nagui s'est vite remis de cet accident de moto. Il y a eu des âmes généreuses qui sont venues aider parce que pour la remontée, c'est absolument impossible, a-t-il conclu.